En créant des groupes de solidarité, nous nous sommes inspirés de la tradition burundaise qui dit qu'un enfant n'appartient pas à une seule personne, mais il appartient à toute la société. Quand les parents sont morts, quand ils sont très pauvres ou quand ils sont malades ou handicapés, c'est la responsabilité de la famille élargie, c'est la responsabilité des voisins et des anciens amis des parents de continuer à protéger les enfants et à les faire grandir. L'école, c'est très important parce que ça permet aux enfants d'avoir des informations pour protéger leur santé et ça donne aussi la chance d'avoir du travail et comme ça, ils peuvent gagner un revenu et aider leur famille à sortir de la vulnérabilité.